qui termine, elle monte sur le podium à Bercy en terminant la troisième place. Voilà un Bulgare, Ristov, lui aussi un grand de la gymnastique internationale, Kalofer Ristov, âgé de 20 ans. C'est un grand spécialiste au cheval arçon. Il y a cet engin où le gymnaste doit parcourir les trois parties du cheval à partir de cercle Thomas, des cercles Thomas avec changement de face. C'est vraiment l'engin qui est considéré en gymnastique masculine comme le plus difficile. C'est comme à la poutre, même les meilleurs champions ne sont jamais à l'abri d'un petit déséquilibre. Voilà, oui, un très très joli mouvement. On peut dire que l'école hongroise aux arçons est l'une des meilleures au monde. Et donc Ristov qui terminera quatrième de ce concours général. On revoit au ralenti toute la force qu'il faut avoir dans les bras. Les changements, les déplacements en cercle Thomas. Vous voyez que le gymnaste pose les mains en dehors des arçons, c'est une grande évolution de cet engin. Ça demande beaucoup de précision, beaucoup d'équilibre surtout. Et les Bulgares sont dans ce domaine l'une des meilleures nations mondiales.